Hello les petits caraxiens, j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, est-ce qu'on peut vivre de YouTube? On va parler de monnaie, nanana, bonne vidéo. Alors, est-ce que je gagne de l'argent sur YouTube? Oui, il est à nous, l'argent. Oh, il est à nous. Oh, oh oui. Oh, mon immense, immense, immense fortune. C'est faux. Le petit like des familles. Fin de la vidéo. Salut, bonne journée. Clap, bonjour. Quand je commence des vidéos comme ça, tu sais pas où ça va aller. Mais clairement, on est dans le délire. Non, on se calme. Est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Clairement, c'est la question. Je pense que oui, quand on a beaucoup d'abonnés. Après, quel genre de contenu il faut faire pour avoir beaucoup d'abonnés? Là, je viens de regarder une vidéo de L'Idéal. Il s'appelle L'Idéal et Idrissa. Des petits jeunes bien sympathiques. Ils sont refaits des pieds à la tête, hein. Des fausses dents, des faux seins, ils ont une vie ultra connectée. Je viens de regarder une vidéo où ils sont sur en train de dormir, tu vois, ils se filment en train de dormir. Et ça a fait des vues, hein, ça a fait je sais pas, beaucoup de vues. L'Idéal et Idrissa. Si vous les connaissez, marquez-moi dans les commentaires. Voilà, alors eux, est-ce qu'ils vivent de YouTube? Vu le nombre d'abonnés qu'ils ont, je pense que oui. Maintenant, est-ce qu'il faut faire du contenu totalement loufoque et déjanté pour pouvoir vivre de YouTube? Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe en fait. Moi, ça fait 2 ans que je suis... Non! Oh là là, je suis sur YouTube depuis 15 ans! Puisque j'ai commencé avec une chaîne YouTube qui s'appelle 2kcom.net, où là, on faisait... Alors, j'étais en costard cravate et tout, j'étais en mode journaliste. Et je faisais des choses vraiment très intéressantes. J'avais parlé de la maladie de Verneuil, par exemple. C'était intéressant. À l'époque, j'avais fait 80 000 vues sur cette vidéo. C'était beaucoup, il y a 15 ans, sur YouTube. Non, non, mais c'est vrai, c'était vraiment pas mal. Et puis, je montrais des artisans, des petits commerces. Enfin, non, non, j'avais déjà, j'étais une espèce de précurseur de YouTubeur. Mais là, honnêtement, c'est pas que je fais des choses inintéressantes. Je pense que... Il y a trop de YouTubeurs. Je pense que la monétisation, ça a baissé aussi. Ouais, alors, je vais vous montrer combien je gagne, puisque clairement, c'était ça un peu le sujet. Alors, on va aller sur ma chaîne YouTube. Attention, on est en direct de mon Saint Studio. Voilà, tournage. J'espère que vous voyez bien mon écran. Personnaliser la chaîne, gérer les vidéos. Voilà. Je ne vous cache rien. Jamais, tu m'entends? Tableau de bord. Voilà. Je suis à 6473 abonnés. Merci les 6473 abonnés. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup. Bisous à vous. Big up à vous. J'ai besoin de vous. Mais pas que pour le fric. Puisque, justement, c'est le sujet de la vidéo. Peut-on vivre de YouTube? J'ai besoin de vous parce que c'est sympa de partager un truc ensemble, de vous montrer des choses, tu vois. Regardez, ça c'est mon mur. Ça c'est mon mur, on est totalement dans mon studio YouTube. Et petite boutique LV3D. Moi j'ai fait les deux au même endroit. C'est mon choix. Alors, je continue. Ah oui, pognon, pognon, combien je gagne avec YouTube? Monnaie. Alors... revenu, 85,12 euros ce mois-ci pour 34 000 vues. Durée de visionnage 1,7 kg. Ok, je ne sais pas si c'est français en fait. Bon, en fait, j'ai gagné 85 euros ce mois-ci. Voilà. Pour 34 000 vues. 34 000 vues, voilà, ça fait à peu près un peu plus de 1000 vues par jour, égale 80 euros. Alors, peut-on vivre de YouTube? Si vous pensez qu'avec 80 euros, on peut vivre de YouTube, clairement, non. Moi, je te dis clairement non. Maintenant, pour vivre de YouTube, il faut faire plus de vues, ce qui est un petit peu le principe,
Alors qu'on me dise comment faut faire, parce que je fais des vidéos potagers. Bonjour à Philippe Roy, hein, et à certains qui ont mis la petite blagounette. Alors du coup, vu que Philippe Roy, c'est un copain plus vieux que toi, est-ce qu'on peut dire que c'est un potager? Ah, j'ai trouvé pas mal. Je fais des vidéos mécaniques, puisque j'ai des problèmes avec mon scooter. Enfin, j'ai eu des problèmes avec mon scooter, mais vous allez voir. Pour ceux qui me suivent sur Instagram en story, vous allez voir que les problèmes ne sont pas finis. Ça continue. Donc, on va continuer à chercher la panne. Et bien évidemment, ça sera filmé. Et ça permet de parler de mécanique. Ça permet d'ouvrir un peu l'esprit à la mécanique. Je fais des vidéos que vous appellerez, certains diront, complotistes. Moi, j'appellerais des vidéos éclairées. Des vidéos où on va pouvoir utiliser son cerveau sans être aux ordres de BFM TV et tutti quanti. C'est-à-dire qu'on va pouvoir apprendre à penser par soi-même. Voilà. Comme la vidéo sur le tract. Voilà, vous avez été nombreux à la regarder, la vidéo sur le tract. J'ai trouvé ça sympa. Je fais des vidéos bricolage. On va utiliser ce petit stylo. Là, j'ai les plaintes à faire en haut. Peut-être ça fera le sujet d'une vidéo, bon, je sais pas. Vu qu'on en a déjà parlé, définition, je sais pas. On verra. Je fais des vidéos drôles. Vidéo bricolage drôle, imprimante 3D, bien sûr, puisqu'on est sur LV3D, où je vous explique aussi qu'est-ce qui s'est passé entre LV3D et LS3D. D'ailleurs, marquez-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo sur LS3D, puisque vous m'avez répondu en story Instagram. Vous m'avez répondu, oui, Karl, refais-nous une vidéo sur LS3D. On n'a pas bien compris. Apparemment, il y a encore des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé avec LS3D. Donc, si vraiment vous voulez que je vous refasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que ça soit clair. Voilà. Je fais des vidéos avec mon chat aussi, parce que j'aime bien mon petit chat. Il y a plein de gens qui aiment leur petit chat. Donc, j'essaye d'interagir avec vous le plus possible. Pour amener un maximum d'abonnés. Donc tout ça fait que je bagarre sur YouTube. Alors peut-on en vivre au bout de... au bout de Carlaxy, là c'est la deuxième chaîne. C'est pas compliqué, on va regarder à partir de quand je l'ai monté. Tableau de bord, contenu, playlist, commentaires, tableau de bord. Je crois que cette chaîne elle a 2 ans. Marquez-moi dans les commentaires. Elle doit avoir 2 ans cette chaîne. Votre chaîne, hop, attention, c'est là, attention. Hello les petits caractiens, nanana. À propos, voilà. Alors, récapitulatif de la chaîne. Œil de lynx. Œil de lynx, je sais pas. Bon, alors, hop. Active depuis le 3 septembre 2018. C'est marqué là, je sais pas si vous le voyez. Voilà, 3 septembre 2018. 1 134 275 vues. C'est pas mal quand même, ça commence à faire du lourd, ça commence à brasser du pâté. 3 septembre 2018, on est en 2021, ça fait 19, 20, 21. On n'est pas au mois de septembre encore, donc ça fait 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, dans moyenne, il y a tout qui bouge, lutin de merde. Oh, attention, le petit autofocus. Dans moyenne, 2 vidéos par jour. Je gagne en moyenne 80€ par jour. Ben, peut-on vivre de YouTube en se défonçant comme je fais? Parce que c'est du boulot, YouTube, faut pas croire. Et honnêtement, pour l'instant, je suis pas sûr. I'm not sure. Alors évidemment, ceux qui se mettent avec d'autres YouTubeurs, qui se font raid, etc., ils peuvent continuer à faire de la herde sur YouTube. Je sais pas si c'est vraiment de la herde. Et ils proposent un contenu différent, un contenu varié. Mais de là à dire qu'on peut miam miam, je suis pas sûr. J'ai envie de te dire non, pas forcément. Par contre, je vais continuer YouTube parce que j'aime YouTube. J'aime interagir avec vous. J'aime vous montrer des choses. Et j'aime vous partager ma vie. Voilà, un petit peu. Donc, peut-on vivre de YouTube? Pour répondre à la question, non. Non, on peut pas vivre de YouTube. En tout cas, c'est très, 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 très dur. Sachant que pour être monétisé, avant d'être monétisé, il faut faire, sauf erreur de ma part, 250 000 vues. Faut quand même les faire, hein. 250 000.
et 4000 heures de visionnage. Clairement, mis à part faire une vidéo buzz où il t'est arrivé une merde, parce que pour faire le buzz, tu peux pas faire le buzz sur un truc normal de la vie, hein. Il faut qu'il t'arrive une merde. Tu vois, c'est... Là, je sais pas, c'est vraiment super bizarre. Donc, peut-on vivre de YouTube? La réponse est non. Est-ce que je vais arrêter YouTube? Certainement pas! Jamais! Tu m'entends? Oui, YouTube est à nous! Il est à nous! Oui! Je suis pas psychopathe, je fais le fou. Nuance! Différence! Pas pareil! Voilà les petits caractères, je vous aime très fort. C'était un petit check-up sur ma chaîne comme ça, ça m'a pris, c'était voilà, un petit check-up. Peut-on vivre de YouTube? J'attends beaucoup de commentaires puisqu'on communique en commentaires. Et encore une fois, retrouvez-moi sur Instagram, c'est là où je suis le plus souvent en story. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Caralaxie 1, Caralaxie 2 et LV3D officiel bien sûr. Ciao, ciao, je vous embrasse. Laisse-moi vivre ma vie. Et qui dab encore en 2021? Ah oui, le vieux fou qui a 46 ans. Ciao, ciao.